Des professeurs des universités chez le Premier ministre pour des pistes de solutions pour parvenir à la levée du mouvement de grève. L'avortement, l'une des causes de mortalité chez la femme, pour protéger sa vie, le gouvernement a ratifié le traité de Maputo qui dépénalise l'avortement sécurisé. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé hier avec les présidents de deux chambres du Parlement sur la situation sécuritaire décriée dans certains territoires du pays, mettant ainsi en danger les populations. Le chef de l'État s'est dit déterminé à ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Aussitôt retourné au pays, après sa brillante participation à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, et du Sénat, Modeste Bahati, durant près d'une heure sur plusieurs sujets qui touchent la population congolaise. La situation sécuritaire du pays, qu'il s'agisse de l'Est, de Kwamout, du Kasaï central et des tensions dans certains territoires du pays, le président a rassuré de ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a dit, quel que soit le prix, la sécurité sera rétablie là où il y a des désordres, spécialement à l'Est du pays. Kwamout, c'est la même chose, nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent. Des infiltrations, nous avons appelé, nous, nos deux chambres, l'appel à la vigilance. Il y a des gens qui sont arrêtés. Le projet de budget de l'année 2023, qui a subi une forte augmentation par rapport à l'année 2022, s'explique en grande partie par le fait que 2023 sera une année électorale. Nous allons connaître une année spéciale. C'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions. Pour que les élections se tiennent en 2023. Ça, le chef de l'État est décidé pour cela. Ce budget, qui sera débattu à partir du 10 au 15 octobre, sera entre autres consacré pour l'amélioration de la vie des conditions sociales des populations, les militaires, les policiers, les enseignants ainsi que le médecin seront pris en compte. Le chef de l'État a notamment insisté sur le projet des 145 territoires qui va démarrer en début octobre 2022 et sera programmé sur chaque projet de la République. Juste après cette rencontre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion de conseil de ministres. Vous allez suivre le compte-rendu de cette réunion à la fin de ce journal. Traque des Kuluna, les habitants de certains quartiers de la commune de Lingwala se sont réveillés sous le regard des éléments de la police nationale qui ont procédé à un bouclage systématique pour traquer les bandits urbains. On fait le point avec Georges-Frédéric Ndebou. La commune de Lingwala-Saint-Jean et ses environs, notamment le quartier Ngwaka, a été bouclée tout ce matin par la police ainsi que les services de sécurité de la ville-province Kinshasa. Pas d'entrée, pas de sortie aux principales voies d'accès de cette municipalité à l'heure du bouclage. Plusieurs policiers ont été placés à l'entrée de chaque avenue pour le contrôle systématique au cas par cas dans la recherche de malfrats communément appelés Kuluna, dont l'activisme connaît aujourd'hui une flambée inquiétante à Kinshasa, devenue de nos jours un phénomène social contraignant pour tous les paisibles Kinois. Fort de cette action sécuritaire, la population ne devrait pas donner libre cours à une quelconque xénophobie, d'où la mise en garde sévère du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, à travers cette socialisation républicaine. Les réseaux sociaux, c'est un fléau et induit beaucoup de nos compatriotes en erreur. Il désoriente l'opinion. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre. La stigmatisation est une mauvaise chose.
Les Rwandais ne sont pas tous nos ennemis. Les ennemis rwandais sont connus. Il ne faut pas tomber dans les pièges des ennemis. Nous vous mettons en garde. Dorénavant, quelqu'un qui va interpeller, arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre, il a une morphologie rwandophone, sera aussi arrêté. Les services de police seront sûrs. Laissez les services de sécurité, les services de renseignement, les services de la police, de l'armée, faire leur travail. Si vous avez une dénonciation, allez dénoncer là-bas. Ce n'est pas à vous de faire ce travail-là. C'est une mise en garde sévère. La police va agir. Plus d'une centaine de colonnas, parmi lesquelles certaines filles, ont été arrêtées lors de ce bouclage de ce vendredi 30 septembre 2022 dans la commune de Lingwala et se poursuivra dans les jours à venir dans d'autres communes de la capitale où sévive l'insécurité due au phénomène colonna pour traquer les délinquants spécialisés dans le banditisme et délinquance juvénile. Des pistes de solutions sont préconisées pour parvenir à la levée du mouvement de grève déclenché par les professeurs des universités. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Loukonde a échangé avec les professeurs pour une issue heureuse. Des avancées significatives dans les revendications des professeurs d'université et des instituts supérieurs pour la levée de la grève. Au cours de la réunion hebdomadaire des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre, l'option a été levée d'honorer les engagements pris avec les deux associations des professeurs d'université et des instituts supérieurs pour la reprise de cours. Préoccupé par cette situation des grèves qui persiste, Jean-Michel Sama Loukonde Kienge a eu une réunion avec les délégués des Rapuko et d'Apukin pour passer en revue ces différentes revendications. Nous avons observé par rapport à nos revendications certainement quelques avancées, mais qui nous laissent dans le devoir de rentrer voir nos bases pour échanger avec elles afin de pouvoir revenir vers son Excellence Monsieur le Premier ministre pour la restitution, puisque l'information c'est un instrument de stratégie vital. Nous devons restituer ce que nous avons donc entendu ici. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons peut-être revenir vers son exemple, Monsieur le Premier ministre, pour faire une déclaration d'ensemble. Mais en tout cas, nous continuons les contacts et nous restons ouverts. Pour le professeur Charles Odiko, secrétaire général de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, les échanges avec les chefs du gouvernement se sont bien déroulés. À quelques mois de la tenue de 9e jeu de la francophonie, le comité de pilotage a fait le rapport au Premier ministre Jean-Michel Sama Loukonde quant à l'avancement des travaux. Patti Tondango Kizunda, reportage. C'est pour faire part du niveau d'avancement des travaux préparatoires des 9e jeu de la francophonie que le comité de pilotage de ces jeux est venu voir le Premier ministre. En sa qualité de président du dit comité, Jean-Michel Sama Loukonde Kienge a de nouveau donné des orientations claires pour l'accélération des travaux. Ici, le Premier ministre, conformément à l'ordonnance, il est le superviseur du comité de pilotage. Il était question de faire les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Et c'est pourquoi nous avions changé et on a reçu des instructions de sa part. Oui, c'est parti pour le jeu. Nous confirmons ici parce que sur le plan technique, le ministre d'État, ministre des infrastructures, il a fait les rapports d'état d'avancement des infrastructures qui vont accueillir ces 9e jeu. Et aussi sur le plan de préparation, le directeur national nous a rassurés. Et d'ailleurs, il a été décidé qu'une descente puisse se faire avec tous les membres du comité de pilotage pour que nous puissions palper de la réalité de ce qui est déjà fait, du fait qu'il y a une mission aussi qui va arriver la semaine prochaine. Et après cette réunion, ça va nous permettre aussi de présenter les rapports d'état d'avancement au niveau du conseil des ministres. C'est confirmé, en 2023, ces jeux des athlètes qui ont en commun la langue française vont bel et bien se dérouler en République démocratique du Congo, a conclu Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale.
Infrastructures et travaux publics, eh bien, les travaux préliminaires du projet de concession de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué dans la province du Haut-Katanga évoluent normalement. L'entreprise Jet Congo a donné une cure de jouvence sur 11 km de route qui sont remblayés au niveau de Kasenga où il était difficile pour les usagers d'emprunter cette voie. Quelques mois après le passage du ministre d'État, ministre des Infrastructures dans le Haut-Katanga, où il avait palpé la réalité de la route Kasomeno-Mwenga-Chaloué, où la praticabilité était visible à Kasenga. La situation a évolué à ce jour. Autrefois, des camions faisaient la file dans la boue des jours et ne pouvaient pas avancer d'un centimètre. Des cargaisons transportant des matières premières ne pouvaient progresser. Aujourd'hui, c'est un ouvre de soulagement pour les usagers. Au total, 11 km est remblayé et permet une circulation aisée. Nous sommes en train de faire une maintenance légère entre Kasomeno et Kasenga. La saison passée, après la saison des pluies, cette route était dans une très mauvaise condition. Compte tenu de la saison des pluies, la route s'est détériorée. Au lieu d'un trajet d'une heure et demie entre Kasomeno et Kasenga, quelquefois les gens passer 4 à 5 heures sur ce trajet. La population s'est dit satisfaite de la qualité des travaux. Nous avons vu le changement. La route était petite, maintenant on l'a agrandie. Nous souhaitons que la route soit asphaltée et nous serons encore très heureuses. Dans ce projet, une route moderne de plus de 150 km partant de Kasomeno en RDC jusqu'à Mwenga en Zambie sera une réalité palpable. Au ministère du Développement Rural, nous apprenons la signature d'un contrat avec le consortium sud-coréen sur l'habitat. 5 jours ont suffi au ministre d'État en charge du développement rural pour signer un protocole d'accord avec un consortium des entreprises sud-coréennes. Le numéro 1 du ministère du développement rural a fait le déplacement de Séoul, accompagné du secrétaire général de son administration et des membres de son cabinet. Ceux-ci ont vu de rencontrer les investisseurs réunis au sein du consortium GLF KCD Global, à qui il a expliqué l'opportunité d'améliorer l'habitat en RDC. François Robota a convaincu ses interlocuteurs qui ont consenti de débourser une rondelette de 3 milliards de dollars américains pour réaliser les projets adoptés lors du 67e Conseil des ministres du gouvernement congolais sur l'amélioration de l'habitat dans les 26 provinces du pays. Ce consortium, qui réunit les entreprises de fourniture de matériaux de construction, spécialement des tôles, les panneaux solaires, a proposé d'intégrer l'électrification des maisons dans les 10 projets. La signature du protocole d'accord est intervenue le mercredi 28 septembre 2022. Sa finalisation sera effective dans 10 ans maximum. Le ministre d'État a profité de son séjour dans la capitale sud-coréenne pour visiter les installations des entreprises qui composent GLF, KCD, Global. François Robota s'est dit satisfait de la qualité des services produits par ces entreprises de renommée mondiale. Pour le patron du développement rural de la RDC, la réalisation de ce projet, dont les travaux débuteront incessamment, profitera à la population congolaise et sera ainsi la matérialisation de la vision du chef de l'État à travers le gouvernement congolais. Le paiement de la taxe sur l'estampillage est une obligation des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur des entreprises de fabrication d'eau à Kinshasa. Le ministre provincial de l'Industrie a effectué une descente dans différentes entreprises quant à ce. Le ministre provincial de l'Industrie, Osé Badibanga, a visité tour à tour les installations de MVU Multiservice à Matongé dans la commune de Kalamu et celle de Aber Colling et Aqua, toutes deux situées dans la commune de la Gombe.
Partout où il est passé, un seul message à ses opérateurs économiques s'enregistrait pour le paiement de la taxe sur l'estampillage. Le directeur délégué général de MVU, favorable à cette initiative de la ville qui vient mettre fin au piratage, à la fraude et à la contrefaçon des produits de consommation, se portait pionnier en payant sur le champ son dû. Ce programme, ça va permettre aux productions locales de lutter contre les contrefaçons et aussi ça va leur protéger. Il n'y aura plus de piratage dans leur chaîne de production et ça va aussi les protéger contre le produit importé. Tel qu'on a parlé avec les techniciens, ça sera vraiment bénéfique, non pas seulement pour nous, mais pour toute la population quinoise. Nous sommes prêts, nous, à s'aligner. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Même attitude à Aqua, le représentant de la dite société, également favorable à cette taxe, s'est dit partant au paiement de cette dernière. À ces deux entreprises, le ministre a remis sur place une estampilleuse et un lot des timbres qui leur permettront d'étiqueter tous les produits afin de les protéger contre le piratage. Le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies prend part à la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale de télécommunications à Bucarest, en Roumanie. Et bien, pendant 3 semaines, les membres de l'UIT vont échanger sur le futur des stratégies, sur le futur plan de stratégie et des activités de cette organisation qui a pour mission de développer le secteur de télécommunications. Nono Manseko nous en parle. Bucarest, capitale de la Roumanie, est devenue depuis ce 23 septembre 2022 capitale mondiale des technologies de l'information et de la communication. Pendant 3 semaines, les pays membres de l'Union internationale des télécommunications UIT discuteront du futur plan stratégique et des activités de cette organisation qui a pour mission d'harmoniser le développement des télécommunications dans le monde et d'assurer l'accès immédiat des moyens de communication là où on en a le plus besoin en cas d'urgence et de catastrophe. Augustin Kibasa Maliba, qui a représenté la RDC à ses assises, a déballé la politique publique d'éthique de la République démocratique du Congo. Au cours de cette conférence, les participants ont voté une nouvelle équipe dirigeante de cette institution spécialisée des Nations Unies. Madame Dorel Bogdan Martin est désignée directrice du très stratégique Bureau de développement des télécommunications. Elle est donc la toute première femme à occuper ces postes depuis plus de 150 ans de l'histoire de cette vieille organisation des Nations Unies. À l'occasion, le ministre Augustin Kibasa Maliba de Pétentic a eu des échanges fructueux et prometteurs avec non seulement Madame Dorel Bogdan Martin, mais aussi avec plusieurs chefs de délégation des autres pays pour la réalisation des projets d'intérêt commun. Cette conférence va permettre aux experts des télécoms de réfléchir et d'analyser les moyens pour relever les défis critiques des technologies de l'information et de la communication en se servant des conséquences de la COVID-19 sur les économies du monde et ainsi mettre la mission et les valeurs de l'Union internationale des télécommunications au premier plan. On va parler sécurité pour vous dire que les éléments des FDLR ont été réduits à néant par les forces loyalistes. Il n'y a donc pas aucune raison de les garder sur le sol congolais. Au mécanisme national de suivi, l'on confirme cette thèse selon son coordonnateur adjoint. Le 20 septembre 2020, à la tribune des Nations Unies à New York, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours sur les principales questions qui préoccupent la communauté internationale, c'est notamment la sécurité et la paix pour tous, et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour soutenir davantage les arguments du chef de l'État et l'appuyer, le mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, à travers son coordonnateur adjoint, Patrick Mutombo Kambila, évoque les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour en finir avec l'FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Le discours du chef de l'État tombe à point nommé parce que le chef de l'État vient de dire à la face du monde que la RDC n'a pas intérêt à soutenir un groupe armé contre notre pays voisin, l'FDLR, et que la RDC, par ses propres moyens, avait déjà commencé à les rapatrier
Et nous-mêmes, en tant que mécanisme national de suivi, nous n'avons de cesse de prendre les initiatives allant dans le sens de ce rapatriement. Le coordonnateur adjoint du mécanisme de suivi, Patrick Mutombo-Kambila, l'un des témoins privilégiés et acteurs principaux de l'histoire de rapatriement au Rwanda de FDLR, dit être déterminé à soutenir le chef de l'État pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Le discours au front du chef de l'État de la République démocratique du Congo à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies continue à susciter de réactions, de soutien parmi le Congolais. En sa qualité de chef de mission du Forum des commissions électorales des pays membres de la SADC, le président de la CENI séjourne au Lesotho sur place. Denis Kadima a présidé une réunion d'orientation au cours de laquelle il a circonscrit le contour de sa mission. Maseru, capitale politique de Lesotho, le président de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé dans ce pays d'Afrique australe accompagné d'une forte délégation dans le cadre de la mission d'observation. Aussitôt arrivé, Denis Kadima Kazadi a présidé une réunion d'orientation afin de donner des directives sur la dite mission qui consiste à déployer les équipes dans tout le pays. Deux membres de la plénière de la République démocratique du Congo ont été désignés pour l'observation des élections anticipées dans quelques bureaux de vote de la capitale. Ce, en prévision de l'organisation des élections législatives les soutiennent de 2022 qui auront lieu le vendredi 7 octobre prochain en vue de renouveler les membres de l'Assemblée nationale du Lesotho. Une journée pas du tout repos pour Denis Kadima Kazadi, qui a en fin de soirée échangé avec les membres de la commission électorale de ce pays. Dans le secteur de petites et moyennes entreprises, eh bien, les premiers millionnaires congolais vont recevoir les chèques dès la semaine prochaine pour viabiliser leurs projets d'entreprise. Confirmation du directeur général du FOGEC. Les 10 premiers projets retenus appartiennent à des PME du domaine de la production et transformation, nous dit Françoise Boué-Labouaki. L'horloge tourne et les actes sont rapides. Après la validation des 10 premiers projets des entrepreneurs congolais, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, fait accélérer les procédures pour les gagnants. Aujourd'hui, nous avons indiqué la banque avec laquelle nous allons travailler sur ces produits. Ils ont reçu déjà les formulaires de la banque pour ouvrir leur compte. Donc ils ont déjà ouvert le compte. Nous, comme c'est un nouveau compte, nous sommes en train de faire un virement. Parce que nous allons virer le fonds global sur notre compte dans la banque. Et de ce compte-là, la banque maintenant fera des virements individuels sur les comptes des bénéficiaires. Laurent Munzemba, directeur général du FOGEC, renseigne que son institution a un rôle majeur à jouer dans la création de la classe moyenne. Je veux présenter tous ces éléments au conseil d'administration. J'espère que d'ici mardi déjà, on pourra signer le contrat et faire la cérémonie maintenant de remise des chèques la semaine prochaine. Ce que le président a promis, c'est la promesse du chef. Et nous sommes l'outil, nous sommes la cheville ouvrière qui doit agir pour que ces millionnaires soient une réalité. Et ça, c'est ce sur quoi nous travaillons. C'est notre leitmotiv de tous les matins. Parti de 500 projets, 10 ont été retenus pour les premiers actes concrets afin de financer les petites et moyennes entreprises des jeunes Congolais liées à la production et à la transformation localement. En RDC, l'avortement est l'une des causes de mortalité chez la femme. Et pour protéger sa vie, le gouvernement de la République a ratifié le traité de Maputo qui dépénalise l'avortement sécurisé. La République démocratique du Congo affiche des taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile parmi les plus élevés au monde. Selon le résultat de l'EDES 2013-2014, la mortalité maternelle était estimée à 846% des naissances vivantes. Parmi les principales causes de cette mortalité maternelle élevée, l'avortement occupe la deuxième place. Face à ces défis, la République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo en 2008. En son article 14, alinéa 2c, autorise l'avortement dans des situations particulières. S'il est pratiqué médicalement,
en vue de protéger les droits reproductifs de la femme. Le directeur pays de la structure internationale AIPAS a circonscrit le cadre de cette journée. C'est donc une journée d'affirmation, de soutien, de plaidoyer et d'action en faveur de l'autonomie corporelle, le pouvoir de décision et le choix en matière de droit et de santé sexuelle et reproductive. La prévalence contraceptive reste faible, seulement 8% des femmes utilisent une méthode de contraception moderne et 59% de grossesses sont non sécurisées. Ceci montre que les adolescentes et jeunes sont celles qui paient le plus lourd tribut de cette injustice car elles sont confrontées aux multiples problèmes de santé sexuelle et reproductive. Et puis cette bonne nouvelle de la SNEL qui anticipe sur d'éventuels désagréments dans la fourniture en énergie électrique. Elle vient de procéder au remplacement des grilles de protection du groupe 27 et 28 à la centrale hydroélectrique d'Inga. La levée des réserves est une procédure liée à la réception du chantier. C'est la période traversée par les groupes 7 et 8 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Après sa réhabilitation et modernisation en 2021, la SNEL SA avait initié en amont des travaux de remplacement des grilles de protection du groupe 28 au niveau de la prise d'eau. Sur les 100 grilles que compte un groupe, 38 grilles défectueuses ont été remplacées, 28 desserrées ont été serrées, et ce, grâce à l'expertise de l'entreprise Henringer, spécialisé dans le travaux subaquatique sous la supervision de la SNEL SA. La particularité de la centrale Inga 2, c'est que les grilles sont sous eau et sont en amont des bâtards d'eau. Donc pour y accéder, il faut plonger. C'est pour ça qu'on a pris l'expertise de Henringer qui est descendu et a remplacé, sur les 100 éléments, on a eu à remplacer une cinquantaine de grilles. Dans l'entretemps, dans le même site, les groupes 1, le groupe 21 connaissent des travaux intenses de dégrillage qui consistent à débarrasser les grilles des déchets de toute nature qui empêchent le bon fonctionnement des turbines. Ces grilles, bien que remplacées et neuves, c'est le passage en fait de l'eau. Et l'eau, comme elle charrie beaucoup de détritus, il y a des détritus qui s'entreposent à travers les mailles des grilles et ça gêne parfois ou ça réduit ou ça impacte le débit de l'eau dont on a besoin au niveau de la machine. Les travaux de remplacement des grilles de protection du groupe 27 vont occasionner à coup sûr des perturbations en énergie électrique, car le groupe 27 sera à l'arrêt et le groupe 28 également pour sécuriser les travaux subaquatiques. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance du public qu'une bande d'escrocs diffuse des messages d'octroi des bourses du Canada par le ministère moyennant d'importantes sommes d'argent. Le secrétaire général aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Josca Kabongongoy, décline toute responsabilité et met en garde les auteurs contre les poursuites judiciaires. Après avoir parcouru 8 villes et plus d'une dizaine de territoires lors de sa tournée à Mani, à l'est de la République démocratique du Congo, le président de l'Union nationale pour le Congo, Vital Kamerhe, est de retour dans la capitale. Kinshasa sera la dernière étape de la tournée à Mani du président national de l'UNC, Vital Kamerhe. C'est le jeudi 29 septembre 2022 que les différentes structures de l'UNC ont réservé un accueil chaleureux pour celui qui s'est porté garant, bravant tous les risques sécuritaires à l'est de la RDC pour parler de la paix. La tournée à Mani fera longue date dans l'histoire des partis politiques en RDC. Quoi de plus normal pour le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC, Moamba, Gabi Mabengi, démobilisé pour les Babawa à Mani. L'aéroport d'Njili était noir de monde comme à chacun de ses déplacements. Vital Kamerhe et toute sa délégation ont eu droit à un accueil de grand jour. Après avoir prêché la paix dans les coins et recoins de l'est de la RDC, le président national de l'UNC qui s'apprête
à faire la restitution de sa tournée, remercie l'ensemble de la base de son parti politique pour cet honneur en lui réservant un tel accueil, signe de l'attachement indéfectible aux idéaux du parti. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie.